Salut à tous, c'est Matrix 21 ou Matos NT. Alors là, je vais vous montrer comment on overclock son écran. Donc, c'est l'overclockage un peu basique. Voilà. Alors, c'est l'overclockage un peu basique. C'est vraiment très très simple. Ça prend vraiment très peu de temps. Alors, déjà. Moi je suis déjà chez Nvidia. Donc pour le recroquer, on fait soit clic droit, pas configuration, ou en bas à droite, ici clic droit, on l'a ici. Et là on a l'expérience qui pour les pilotes, l'optimisation des jeux. Donc pour la gauche, on clique sur overclock sur Nvidia, machin machin, voilà. Hop. Donc on va dans. Là on serait genre ici, je sais pas quoi. Donc on est dans. Voilà, on serait genre comme ça. Voilà. Vous allez aller sur affichage. Je change la résolution personnalisée. Alors, il mettra un truc pour personnaliser. Il faudra d'abord aller dans gérer les paramètres normalement. Attends, je cherche. Il faudra voilà, gérer les paramètres 3D. Attendez, il ne répond pas. Voilà. Il faudra aller dans DSSK. Voilà. Et donc raccrocher en fait, vous cochez rien. Donc après vous pouvez dans, voilà, aller ici pour après personnaliser. Donc on crée. Donc là faut faire genre à tester ou supprimer deux, regarde, fait deux tester. Hop, vous marquez machin, vous marquez ou ça marche, rien de bizarre, marqué non. Hop, donc ça va reclimater votre écran. Après, vous allez faire 3, etc. Alors, chez moi, c'était 66. Et chez un de mes pros, c'était aussi 66. Donc, je sais pas s'ils ont tous comme ça au maximum. Je ne sais pas. Donc, ah, purée. Ah, toi, viens là. Bon. Je vais le faire dans ce cas avec vous. Annuler. Annuler. Donc, voilà. Mais il est là, 66. Hop, appliquer. Donc c'est tout pour cette vidéo, hein, pour le recalage d'un écran. Normalement, vous allez voir, soit avant ou après cette vidéo, la vidéo pour comment recaler sa carte graphique. Et après, ça sera sur ce petit logiciel très sympathique que Monscar a montré. Cette vidéo. Donc ça, c'est pour compresser des vidéos. Compresser, c'est-à-dire un peu comme WinRAR, on va dire. Sauf que là, il y aura peut-être des paires de FPS. Mais pas de perte de qualité, on va dire. Donc voilà. Bon bah, ciao.